D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés. Déjà, le 2v2 qui est réapparu. Donc là, on en a pour 32 jours, un peu moins de 32 jours, du coup, on en a 31 jours. 2v2, donc avec ses amis ou adversaires aléatoires. Donc on a également aussi. Attendez, regardez un petit peu, on a également aussi. En ce vendredi, un coffre spécial. Donc ça, je pense qu'on va le faire. Petit coffre géant avec 115 chauves-souris au minimum, comme c'est écrit, au moins. Disponible 6 sur 6. Il y en a 6, vous croyez qu'il y en a 6 coffres géants? Non, je pense pas. Bon, on verra après. Il y a un petit coffre épique qu'on va ouvrir sûrement aussi. Ça coûte 10 000 d'or, ça va. Également... Attendez, je vais voir vite, c'est ça. Ok. Ah, c'est quand même... ouais. Le dollar est quand même assez haut, hein. Ensuite aussi on a un petit défi qui est pas mal, donc on va se faire ce coffre là d'abord, puis après on va voir le défi qu'il y a, moi je l'ai pas vu encore, donc je pense que c'est un bon défi, on va voir, on le fait, allez. Donc 50 cartes, 5 rares, mais je pense pas qu'il y aura des légendaires, bon on sait jamais, des fois ça peut arriver, j'ai déjà eu des légendaires avec 0 victoire, 2500 d'or, 9 squelettes, 14 gargouilles, 22 esprits de feu, et 5 rares. Alors, c'est quoi? Ok, mais un défi 2v2. Une gratuite, donc je crois que ça coûte 10 gemmes parce qu'on a que 50 cartes à gagner et 1100 d'or, donc c'est un 2v2. Ah, ok, 2v2, 3 victoires, 10 gemmes, 5 victoires. Je crois que c'est un... Attendez, bon, on va faire 3 victoires, 10 gemmes. Après 5 victoires, bah, une épique, une seule, c'est tout, j'ai l'impression. Après 2000 d'or, 7 victoires et un petit coffre magique à 9 victoires. Donc je pense qu'on va le commencer un petit peu, on va le débuter un petit peu. On va voir les autres coffres aussi. Donc là, petit coffre en argent, 67 d'or, 11 bombardiers, 2 géants. Ok. Non, je vais pas faire ça, je vais faire celui-là, le coffre en or, c'est parti, légendaire, allez, légendaire. 264 d'or, 2 zaps, 14 bombardiers, 21 archers et 4 mégagarouilles. Mégagarouilles qui passe, je suis allé trop vite, je crois qu'elle passe au niveau suivant. Non, presque au niveau 9. Allez, coffre en couronne, c'est parti, 652 d'or. 2 gemmes, 3 cabanes de barbares, 5 pierres tombales, 73 bombardiers et une épique. Yes, un petit poison. Bon, c'est pas ouf le poison, mais bon, ça reste une épique. Ensuite, on va faire le coffre. On a un coffre épique d'abord. Le coffre épique avec 20 épiques, j'espère, du ballon. 2 bébés dragons, 3 bourreaux, 6 rages. Ça passe au niveau 6 si je veux. Et 9 golems. Ok, bah les golems, c'est pas mal quand même. Parce que le golem, c'est quand même une bonne carte. Ok, pas mal ça. Pas mal ce petit coffre. Donc là, je sais pas s'il y a 6 coffres ou s'il n'y en a qu'un. On verra. Donc là, au minimum, j'ai 115 chauves-souris. Donc ça, c'est dans la poche. C'est parti. Donc 860 d'or. 20 gargouilles, parce que c'est pas une horde. 55 Tesla. Donc là, on a un. Attendez, regardez un petit peu, ça clignote et tout. Ça clignote et tout, je crois que c'est une légendaire. Non, attendez, il y a une légendaire. Je paye l'offre à 680. En plus, c'est cher quand même, 680. Non, ça va. Ça va, ça va. Je vais comparer par rapport aux autres. Enfin, par rapport au coffre géant. De combien c'est plus cher. Je crois que c'est 480, là c'était 680. Donc là, je crois que c'est une légendaire. Je crois que c'est une légendaire, j'espère. Donc la bourreau. Oh non! C'est juste ça en fait, c'est nul. Mais non, je crois que c'était une légendaire. Du coup, ben, on en a, ouais, on va en avoir 115, et puis ils nous en ont rajouté un petit peu, donc on en a 153, et du coup, pas de légendaire. C'est, oh, 58 géants, ça fait plaisir. Parce que j'ai bien envie de me passer niveau 10 là bientôt, donc ça fait plaisir ça. Bon, c'est pas mal. Et là, ok. Il y a encore 5 coffres. Moi, je suis peut-être chaud pour faire tous les coffres. Je pense que j'ai encore 2 dans cette vidéo. On va un petit peu attaquer, puis on fera le prochain dans une autre vidéo. Donc ouais, un coffre normal géant ça coûte 520 et là ça coûte pareil. Ouais, on a juste des chauves-souris quoi. On est juste sûr d'avoir des chauves-souris. On va le passer au niveau suivant, les chauves-souris, pour savoir quel niveau on peut l'augmenter. Elle est où? Attends, d'ailleurs, ok. La chauve-souris, t'es là. Donc niveau 2, allez. Niveau 3, 4, 5, 6, d'accord, on passe niveau 6 direct. Bon. Vu que j'ai pas mal de gemmes, on va en refaire un petit dernier. J'espère une légendaire, ça serait cool. 860 d'or. Un poison, une épique. Attendez, il y a une épique. Il y a 4 cartes encore. J'espère que ça sent bon. J'espère la légendaire.
Alors, si j'ai une légendaire, bon, de toute façon, on verra après, c'est pas sûr. Je crois qu'il y a une légendaire, les amis, je crois qu'il y a une légendaire. Je sais pas si j'ai eu assez d'épiques. Donc, 113 esprits de glace. Donc là, on en a 115. Donc là, ça passe, je sais pas, on verra, on augmentera au niveau, niveau 7, je pense, pas niveau 8. 25 guérisons. Non, il n'y a pas de légendaire parce que sinon, ça clique d'entrée. Pas de légendaire. Donc 25 guérisons, c'est quand même pas mal. Et après. Ouh, 33 géants, ça c'est cool ça. Le géant, comme je l'ai dit, mais c'est la carte que je vais augmenter au niveau suivant, au niveau 10. Et donc là, il me manque plus que 300, donc c'est cool parce que j'en avais, il y a 2-3 semaines, j'en avais 200. Et donc là, j'en ai déjà 500 grâce à ça, donc c'est plutôt cool. Ça c'est cool ça. Ok, bon, on s'ouvrira les 4 autres prochainement. Bah, ça coûte quand même assez cher, hein. 520 gemmes, ça coûte quand même assez cher. Hein. Ça dure 2 jours, bon, dans le temps. On verra si on fait tout ou pas. Mais ça fait quand même 1000 gemmes d'un coup là. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, l'augmenter déjà, cette carte là, au niveau. Bon, on verra, niveau. Ouais, je pense que c'est niveau 7. Pas une niveau 8. Hein. 1000 d'or, ok. Ouais, niveau 8, c'est trop, ouais. Ok, c'est trop chaud. Bon, commune, ouais, c'est une commune. Commune niveau 7 déjà. On verra si on la teste ou pas, on verra ce qu'on en fait. Là, ouais, je vais pas faire le défi. Je pense que je ferai le défi dans une prochaine vidéo. Et je vous ouvrirai les autres coffres. Et là, on va faire un 2v2, c'est-à-dire c'est aléatoire. Histoire d'avoir quelques petits coffres à ouvrir pour les prochaines vidéos. Je crois d'ailleurs, j'ai bientôt un coffre légendaire qui arrive. Si vous savez si j'ai un coffre légendaire ou pas qui arrive bientôt, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi, sur Stat Royale, ça marche pas parfaitement en ce moment. Donc, s'il y en a qui arrive avec mon hashtag, n'hésitez pas. Je vous montrerai mon hashtag après si j'y pense. Mais n'hésitez pas à me dire si vous savez. Parce que moi, j'arrive plus à y aller sur le site Stat Royale. Ça m'affiche plus les stats. Le ballon, il va toucher. T'as rien? Ouais, il a rien. Moi, j'ai les flèches, mais bon, c'est pas ouf. Donc là, on prépare une bonne attaque. On va faire un petit géant ballon. Il a quoi, lui? Attends un petit peu. Il y a le foudre. On va mettre ça ici. Donc il y a le foudre. Il a quoi d'autre? Il y a la bûche. Ouais, ok. Par contre, le sorcier va trop vite. Je prépare les flèches. Ouais, prépare le foudre. Ouais, nickel le foudre. Moi, je prépare les flèches. Oh, le petit sort de gel. Qui marche plutôt bien parce que là, ballon, on va faire aucun dégât sur la tour en fait. On va faire aucun dégât sur la tour. Ouais, dommage. Dommage. C'est pas ouf. Hein. Oh, le ballon est encore là, j'ai pas assez de. Ouais, ça tue. Non, j'ai pas assez d'élixir. Aïe. La tour elle tombe. Ça tue là. Ça, c'est une game série. Oh, ok. Une game assez série. Hein. Enfin, c'est série, non. On est en train de perdre surtout là. Pourquoi te fait maintenant? Non, pourquoi j'ai mis ça? En fait, je voulais dire pourquoi il met ça maintenant alors qu'il a pas assez d'élixir. Regardez, il a plus d'élixir là. Et il met, je sais pas ce qu'il met là, il met son chevauchon de cochon alors qu'il avait que 4 d'élixir. Ça a servi à rien, ce cochon là. Je sais pas ce qu'il fait, il joue pas très bien. Je suis avec qui là déjà? Avec Zegordino. C'est un petit. Pourquoi il met la Valkyrie là? Défends plutôt à gauche là. Défends-moi plutôt à gauche, s'il te plaît. Parce qu'on a rien en plus, au niveau aérien. Ok, c'est pas mal. On a rien du tout au niveau rien. Là, il va mettre son ballon. Et nous, on va rien pouvoir faire. Voilà, il va mettre un boule de feu. C'est bien joué. Ballon, on a rien. On a rien pour défendre aérien. On a rien du tout. Ok, le foot, c'est pas mal. Le foot, là, on est quand même bien. Bien joué, là. Bien joué. Donc là, le ballon, il va tomber. Yes. Le ballon, il tombe. Donc là, il faudrait réussir à toucher la tour de droite ou de gauche, je sais pas. Attends un petit peu, mais pas ton. Non, là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est bon, on est. La game est mal partie. Je voulais lui dire de pas mettre son chevaucheur, mais en fait, j'ai mis mon. Ok, d'accord. En plus, il a des problèmes de connexion. C'est bon, c'est fini. Moi qui pensais chercher un petit coffre pour la fin de la vidéo, bah, c'est raté. Non, en plus, la petite offre avec le coffre géant, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Après, voilà, c'est quand même. Ouais, je sais pas, c'est quand même assez cher au niveau des gemmes parce que c'est quand même un coffre géant donc c'est quand même assez cher. Mais bon, voilà. Donc là, on a perdu, évidemment. Évidemment, 2-0. Donc voilà, comme je vous ai dit, je trouve ça pas mal. Après, ça reste un coffre géant donc je crois que j'ai l'impression que les coffres ils ont augmenté le prix des coffres. À moins que ce soit moi qui ai augmenté, non, mais pourtant je suis toujours à 4800, ouais, je suis pas encore à 4900. Mais ouais, 520 c'est quand même beaucoup, je trouve. Hein. N'empêche, ils disent 57 rares et normalement on a une légendaire, c'est toutes les rares dans une légendaire. Sauf que là, dans les deux coffres que j'ai ouverts, j'ai eu toutes les rares, je joue oui, logiquement. Et j'ai eu 10 épiques, donc j'ai pas trop compris pourquoi j'ai pas eu une légendaire.
Mais bon, après, je pense que c'est peut-être parce que c'est les offres. C'est une offre spéciale, c'est un coffre spécial chauve-souris, donc peut-être qu'on n'a pas d'agendaire. Donc voilà, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.